Ouais, d'accord. Ok. Je sens que le jeu va être. Ouais, Un non, t'es pas. classique, c'est ça que t'allais dire? Oh, t'es pas prêt. Alors là, c'est le c'est annoncé, mais genre. Oh, je vois le fond déjà. Oh oui, d'accord. Bon, vous inquiétez pas, vous Oh inquiétez oh. pas. Ah non, mais là, moi j'ai rien fait, c'est le jeu, il est déjà Bah là, c'est le irrespectueux. jeu, hein. Là, c'est pas C'est moi, le le jeu est hyper irrespectueux là. Il arrête pas de faire. jeu. Eh ben nickel. Difficulté normale. Ouais, t'es. Les clodos hostiles. Ouais, il y a des clodos hostiles. Sont peu nombreux pendant les raids contre ta base. Attends, Waouh. t'as des raids de clodo contre ta base. Ta base de clodos et t'as des clodos hostiles. Alors là. Truc de ouf. Bon bah c'est le GOTY, hein. Bah, visiblement. Là, il y a tout un système, il y a un gameplay, quoi. Ils n'ont pas passé à l'E3 celui-là. Ah, bizarrement, non. Petit matin. Dans la ruelle. Hein? Ah, c'est comme le trombone sur Word qui parle. Oui, Clippy. Est-ce qu'on consomme de la drogue? Des drogues dures? Half of it. Ah oui, bah j'imagine, vu qu'il y a un caddie qui me parle. Ouais, ça explique. Il manque un S, ça t'inquiète. Non, quand on dit t'inquiète, y'a pas forcément de S. C'est bizarre, je sais. Français de merde. Mais c'est vrai que c'est Bum Simulator, mais ils ont fait une vraie traduction française. Hein. C'est un projet sérieux. Hein. Tu dois faire les poubelles pour trouver de la nourriture, des boissons et de la ferraille afin de survivre. Logique. Ah, logique. Ouais, enfin. Durant, si on n'a pas d'argent, Damien, on va pas aller à l'épicerie. C'est la dure réalité de la vie. Ah non, on fait la manche. Ah ouais, peut-être qu'on peut. Alors, manger le pain moisi. Alors, moi, je suis un peu l'estomac fragile, donc bon, bah, quand faut y eh aller. Bah, tant pis, on va le consommer. Donnez un coup de pied à la poubelle. Ah, tu vas peut-être trouver des trucs. Peut-être qu'on va trouver mieux. Mange. Il va fermer sa gueule, lui. C'est clair. Putain, ta gueule. Mange tes légumes. Ah oui, parce qu'il faut un repas équilibré. J'ai des légumes ou j'ai. J'ai pas l'impression que j'ai des. Par terre, t'as pas un truc qui est tombé? Emballage froissé. On peut manger ça quand même. Mange le fruit. Ah! Ah! Une pomme. Oh bah, est-ce qu'on a suffisamment d'apport avec ça? Si on peut appeler ça une pomme, bah il nous en manque 4 dans la journée quoi. Et puis, peut-être même 4 et demi. Vu la gueule de la. Bon, on va la consommer. Oh. You look like you're going to die of dehydration any minute now. Je le suis. Try breaking those garbage bags. Pas. Pas. Ah bah voilà. Ah. Qu'est-ce qu'on fait ça? On recycle? J'ai une poêle à frire. Oh, stock la super. Ferraille dans Karl. Nickel. Ok. Et voilà. Ah, je maintiens E, ça cherche. Et je trouve. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Ah, rien du tout. Oh bordel. Yes, I had it the whole time. Yes, I know that I can't drink or eat in my current state. No, I wouldn't let you die. Don't look at me like that, jeez. It's all yours now, help yourself. Ok, c'est mon inventaire. J'ai du jus d'orange. J'ai juste du jus d'orange. Attends, mais c'est quoi? C'est des hot dogs que t'as? Ouais, il a l'air bon, hein. Putain, mais il est parfait celui-là. Il est trop beau, hein. Regarde la taille de cette saucisse. Bah ouais, elle est énorme, il va se régaler pendant au moins 10 jours avec ça. J'en suis où? Ah ouais, en plus j'ai faim. Miam. Et j'ai soif. Miam.
petit jus d'orange. Bah, t'es au max. On a fait un repas de roi. Okay, pal, if we want to get my body back, and your brain, le Clodo, il parle comme Volka qui fait cette voix dans la vidéo. Ah bon? Oui. Yep, your pigeon coop is broken, ton pigeonnier est cassé. Ah ouais. The birds while we were being experimented. Hop là. Donc mon pigeonnier est cassé. Interagis avec la poignée pour le... Ils font quoi les clodos avec tes pigeons? C'est vrai que j'ai déjà vu ça, mais je vois pas, je sais plus pourquoi. Alors, le point d'exclamation sur la... Et merde. Il les mange pas quand même, il doit y avoir une autre utilité. Ils les font griller. Ah ouais, c'est logique ouf en vrai. Mais bah c'est de la volaille quoi. Mais non, mais tu fais la manche. Bah c'est... Je suis pas sûr que la manche ça marche très bien hein. Oh, tu rigoles. Quoi, tu donnes beaucoup toi? Oh, s'ils avaient des TPE, oui. Mais je n'ai jamais de monnaie sur moi. C'est vrai que je n'ai jamais de monnaie, par contre. Je te jure, le jour où il y a un clochard... Clochard. Un clochard. Il y a un clochard qui est venu et qui m'a sorti un TPE, j'étais obligé de lui filer 50 balles. Le mec, il m'a vraiment sorti la carte piège, j'avais pas le choix. C'est un truc de ouf. Et le pire, c'est que tout le monde lui donnait, hein. Attends, mais il avait vraiment un TPE? Oui, il avait vraiment un TPE, tu sais, il avait le truc... machin up, là, les petits trucs blancs. Tu mets son contact dessus. Ouais, d'accord, je vois, mais ça tu dois pas payer un forfait avec ça? Bah si, je crois qu'il doit avoir un compte bancaire dans lequel il a une AE ou un truc comme ça. C'est illégal. Et non, il est connu parce que j'en ai parlé, je l'ai décrit, et il y en a à Paris qui l'avaient vu aussi. C'est un monsieur qui est habillé comme un marin, il a un petit chien et une grande valise. Il a une grosse barbe blanche et il rigole. Ah, c'est, il est malin. Et moi, j'avais déjà dit, hein, le jour où les clodos ont des TPE, on est foutu. On n'aura plus d'excuses. Bah, pour le coup, moi, c'est vrai que j'ai pas de monnaie, mais. Ah, j'ai jamais de monnaie. Mais par contre, j'ai toujours mon téléphone sur moi sur lequel je peux payer sans contact. Mendier de l'argent se fait en deux étapes. Plus ton message est élaboré, plus tu récolteras d'argent. Tu peux modifier ton message n'importe quand. D'accord, tes 10 premiers dollars. Maintiens tab pour afficher le menu de compétences et choisis Mendier pour. Ah ouais, c'est genre j'ai soit coup de poing, soit Mendier. On va Mendier aujourd'hui. Ah, on peut créer ce qu'on veut. Alors, on va dessiner. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire, hein? On va pas dire j'ai faim, on a de l'argent, on a besoin d'argent. Un dollar. C'est un gros pâté ça. Eh bah si avec ça on n'a pas 10 dollars en vitesse. Voilà, normalement là. Hey, la police. T'es dans la rue, tu te balades, y'a un mec qui t'affiche cette pancarte, je suis désolé. Score, je donne à moins. Oh. Alors. Regarde. Hey, un policier, c'est le bon moment. Oh, bah, c'est parfait. Bah, on peut pas l'impressionner, il est armé, il sait qu'on peut pas. Oh là, y'a plein de gens là. Hein, pas de monnaie, en plus il te ressemble. Bizarre! Ah, moi il me ressemble enculé, c'est vrai. Un peu quand même. Alors que. Bah oui, elle veut pas mourir. Un dollar. Putain, les gens donnent, hein! 2 dollars! Le mec il fait. Il les enchaîne, c'est industriel. Putain, j'en suis déjà. Oh, il m'a donné 50 centimes. C'est une galère. Pourquoi? Lui, j'aurais dû le tuer. 50 centimes, sérieux. Ouais. 20 centimes même pas. Franchement, j'avais dit 1 dollar, bah tu l'es. Hein. C'est abusé, là. Tu peux foutre un coup ou pas? Bien sûr. Bah le prochain qui te donne pas, tu sais quoi faire. Oh, c'est une dame, je n'oserais jamais. Eh? Eh? Combien? C'est des centimes qu'il a filé. Allez. Tiens!
Mais c'est mérité, c'est mérité. Oh, c'est GTA 5, hein, t'as une étoile. Hop là. Oh non, tu vas pas te cacher dans la poubelle. Ah, c'est quoi ce taser de fou? C'est quoi ce rayon tracteur? Ah, t'es baisé là. Ah, par contre, je suis genre GTA 6 là. Oh, il a disparu, je voulais lui demander un peu d'argent. Il a disparu. Tiens, profite tout pendant. Oh, tiens, excusez-moi. 84 centimes, pas mal. Hey, hey, galère, hein. Regardez-moi quand je vous parle. Elle, elle gagne beaucoup par mois. 1,14$, on a eu, c'est une rue de riche. C'est ceux qui gagnent le plus qui donnent le moins. C'est vrai. 50 centimes? Bah putain. Oh, on peut essayer, tu peux essayer avec les voitures aussi. Hey. Hey, donnez. Donnez. Hey, j'ai lavé votre voiture. Hey. Hey, je l'ai lavé ta caisse de merde. Oh putain. Ah putain, on se fait transporter gratuitement sans Uber. Alors, on va continuer. Oh, c'est toi un peu. T'es un bâtard, ça n'a rien à voir. Ah bah, attends, tu m'as trouvé, je t'ai... Tu m'as trouvé, je t'ai trouvé. Il m'a trouvé vite fait, quoi. 22 centimes. Mes poches sont vides. Putain. Ah, c'est toi. Bon, si tu veux qu'on continue, oh, c'est toi. 13 centimes. Non. C'est... C'est en vrai, j'oserais même pas donner. Non, mais c'est la honte de donner moins d'un euro là. Oh! Pardon? Ouais, voilà! Tue-le! 13 centimes! Enculé, tu te rends pas compte? Et l'inflation, connard! Voilà! Oh, dommage, oh putain, t'as de la chance! Vous l'avez loupé! Voilà! 13 centimes, on est dans quel monde? Madame. Ça me fume parce que j'ai oublié qu'on montrait à tout le monde 1$ ou je te tue. Et les gens sont très aimables. Eh, j'ai dit, écoutez-moi. Eh. En fait, insupportable, il y a... Oh, mais ça marche. Bah ouais. Donc ça veut dire que c'est la règle, faut forcer. Oh, il a donné beaucoup. 4,75$. Oh. C'est peut-être que les chauves... Attends. Les chauves. Les chauves ils donnent beaucoup. Plus d'un dollar, ils donnent beaucoup les chauves. Hein. Alors lui, que lui il regarde. Chauves, il a rien donné. Lui, moins d'un dollar. Nul. Bon, voilà. Ouais, je m'en doutais. Bien sûr, t'as rien. Ah, un chauve. Arrêtez-vous. Bon, bah la règle ne s'applique pas aux chauves. Sauvez les chauves. C'est pour les chauves. Bon, ah bah j'ai assez. Non, mais les gens sont des clochards. 17,44$, bah oui, je pense que retourne voir Bugsy avec grand plaisir. Vous êtes Bugsy? It's a pleasure doing business with you. You'll find your bird down this alley. Ah, tout ça c'était pour acheter un pigeon, j'ai trop le seum. While others went out to search for a buyer. Better hurry before they come back. OK. Ah, c'était à coûter 10$ le pigeon, c'est abusé, non? En vrai, c'est que dalle, 10$ le pigeon. Sauf, en fait, tu peux en avoir un gratuit, à Paris surtout, c'est facile. Ouais, faut juste l'attraper, mais ça va. Lost something? You wanna get your precious birdie back? Ouais. Well, this is the only bird you'll get. T'as dit ouais. Parfaitement, en même temps que le pigeon ouvert la bouche, on aurait du lip sync de pigeon. Le pigeon, il a dit ouais, c'est lui. C'est lui que je veux. Ouais. Qu'est-ce qu'il veut? Fais un doigt d'honneur à la bestiole. Ah ouais. On a le droit de faire ça? Ah oh bah. Pisser sur la bestiole. Donnez-moi une touche et je le fais, y'a aucun problème. Ah, c'est, j'ai oublié que c'était lui qui parlait. Maintiens F. Oh mon dieu. Dans bien haut le G, bien haut là. Alors, j'évite tes coups de poing, ça te fait chier hein. Ah, elle t'a surpris celle-là. Bon bah t'as encore tué quelqu'un. Qu'est-ce qu'il fait? Le clochard le plus dangereux des États-Unis hein. Il est en train de faire ce que tu penses. Il est dégueulasse. Arrêtez de faire ça dans la rue, c'est dégoûtant. Trop tard. Je vais le faire. Je vais le faire, j'en profite.
Vous êtes Jean-Loup, c'est tout, hein. Alors, un petit pigeon. Il va nous servir à quoi? Bah, je sais pas, on va le prendre avec nous pour l'instant, mais... Right now, this little guy is your only pigeon. Make d'accord. Good use of him. Ah, serait plus malin de faire un élevage. Tu fais des petits, et après tu tues les vieux et tu les manges. Bah, c'est le principe de l'élevage. Ouais. Sauf pour les gens comme toi qui mangent du veau. Assassin. Mmh, et de l'agneau. Les bébés, c'est meilleur. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Il a de la dynamite, là? Je vais éteindre. Dynamite, quand même. Non. Éteindre avec ta pisse? Shuriken. Bah, j'aurais bien aimé faire avec la pisse. Ah, ouais. Pourquoi j'ai des shurikens? C'est logique. Ah, c'est mon pigeon. D'accord. Logique. Alors, c'est à ça que servent les pigeons des SDF? Il les équipe d'explosifs et les envoie sur les autres? Putain, c'est... La rue, ça rigole pas, hein. Bam! Oh, bah voilà. Wow. Putain, c'est... C'est énorme. Wow, putain, c'est... C'est cool, hein. Oh, non, c'est horrible. Oh non, mais j'ai bu au moins 3 jus d'orange. Putain. Putain, la pisse, oh. Elle est bien jaune, hein. Il faut vraiment s'hydrater. Ouais, c'est abusé. Alors, emmène le pigeon voir Dame Pigeon. In case you don't remember... Pigeon Lady and you go way back. You wouldn't get your special pigeon if it weren't for her prestige eggs. You haven't visited her. Hey, arrêtez-vous! Arrêtez-vous! Je fais ça quand il y a des taxis qui veulent pas s'arrêter alors qu'ils sont libres. Hey, vous avez pas ma gueule ou quoi? Le clochard fou. Arrêtez! J'aurais trop peur d'un cochard qui ferait ça en vrai. Il court avec la bitana et pisse dessus. Eh, plus bah arrête $2. De gratter de l'argent aux gens, t'en as pas besoin. Bah, les gens sont généreux, hein. Comment ça, j'en ai pas besoin, j'en ai plus besoin qu'eux. Oh, pawn shop. Allez, ouais, Dame Pigeon. C'est pas Dame Pigeon, ça. Ah, c'est le videur de Dame Pigeon, d'accord. Ouah, je vais avoir un combat en 1v3, je vais équiper mon pigeon. Hop. Oh là. Ah. Fais gaffe, c'est le big boss, hein. Tu peux avoir les petits, mais Oi. Il a un pigeon coincé dans la tête, c'est horrible. Ouais, c'est mon pigeon là, rends-moi mon pigeon. L'homme de KO. La technique secrète. Ça pue parce ça que l'a mis KO. J'ai tout le temps envie de pisser. Ah, oh, il se fait écraser en plus. Voilà. Ils avaient pas quelque chose sur eux, un peu de monnaie? C'est vraiment une ville où tout est permis, hein. T'as fait quoi? Fiante. T'as ramassé de la fiente? Fiante et graine de concombre. Ah, faut juste laver la graine et elle est bonne, hein. Tu la suces pour la nettoyer. I'll stay on the lookout in case more bugs show up. Besides, she's way too boring. I mean, way too spiritual for my taste. Ouais. Oh là, on m'a fait peur. Ah ouais. Ah, c'est Dame Pigeon, hein. Non. Mais putain, arrête. J'ai trouvé ça logique. Oh là, y'a un flic là. Y'a un flic juste là. Ouais, ici là. Je reviens, Dame Pigeon. En plus, ça allait faire quoi, ces Dame Pigeon? Je sais pas. Merde. Ah. Non. T'as pas passé. Oh. T'es foutu, t'as plus de vie. I'm not letting up. Non. Non et merde. Oh, c'est loin, Dame Pigeon, là. Putain.
Faudrait qu'on se trouve une plaque d'égout pour nous réchauffer la nuit. Tu penses vraiment que ça va nous réchauffer la nuit? Oui, tu te mets au-dessus des plaques, tu sais, du métro. Ah oui. Ouais, c'est vrai que des fois ça chauffe, ouais. Oh, on est où là? Elle est où, Dame Pigeon? Non, mais c'est quoi l'objectif? En plus, on n'a pas d'objectif en cours. Je crois que là, c'est autre chose, ouais. C'est, ça va être une nouvelle mission. Ouais, mais c'est quoi là, la mission? Là, il y a R. On va voir. Ah. C'est Richard. C'est un riche entrepreneur. Non! Ils oseraient pas faire ça! Oh là, quelle est ton idée, Richard? Il va nous faire faire des trucs horribles. Qu'est-ce que c'est que cette merde? However, the process is somewhat undignified, and I don't want to put my good name in jeopardy. That's why I want you to be the vessel of my power. Take out your willy and urinate on the people wearing fancy suits. Ah bah, ça va bien. Ça c'est génial. Ça, ça me pose aucun problème. Time is money. Ok, vite. Time to piss off some suits. Donc tous ceux qui sont habillés de manière un peu luxueuse, on leur pisse dessus. Quartier des affaires là, hein. On va vite trouver. Non, c'est un costard ça? C'est une cravate ça. C'est un costard. Ah, c'est pas un costard, j'avais pas vu qu'ils aient spécifiquement alors que des costards. Ça c'est un costard. Ah là, une bonne pissouille. Madame, vous êtes une femme d'affaires. Madame, vous êtes une... oui. C'est bon, bah, rentre Pigeon. Pas dans le magasin pour pisser. Va pas chez Dame Pigeon. Vite, il vite, t'as presque 3 minutes, hein. Oh, ça devient critique. Putain, y'a personne. En même temps, il fait nuit. C'est pas juste. Mais y'a personne qui travaille. Dans... au travail, rentrent chez eux, là, normalement. Personne qui travaille dans ce quartier de merde. On sort du quartier des affaires. Pisse sur la dame. Je devais essayer. Désolé. Ah, c'est bon, oh, ça a marché. Dans la bouche, mon dieu. Oh là. Oh, y'a personne. Peut-être lui, là-bas. Il s'est retourné, il sait que t'arrives. Il sait qu'il va se faire pisser dessus, il attend que ça. Désolé, il a quand même attendu que ça la touche pour fuir. C'est trop court là. Non. Deux minutes pour pisser sur 6 personnes. Le rythme est... dans le désolé, je dois essayer, pardon. C'est bon. Ça va marcher. Il était pas sûr que c'était de la pisse, ouais. Il a eu comme un doute. Oh, vous avez une cravate? Ouais, c'est bon. Ah, ouais, oui, la dame. Ça bosse, madame. Ouah, dis donc, elle veut en découdre. Ouais, bah c'est bon. Hein. C'est rien qu'un peu de pisse. Il y a un peu ici, hein, attention. Ouais. Madame, vous allez au travail? Vous revenez du travail? Mais c'est sur elle que t'as pissé déjà. Ah non, c'est l'autre. Plus qu'un. Et voilà ce qu'on vous fait, les connards en col blanc là. Les riches là. Ah, ça va dans son beau bureau. Toi. Ouais. Alors toi. Et puis vous. Oh désolé. Oh, la police. Ah, c'est dur de s'arrêter de pisser. Essayez, vous verrez, c'est dur. Oh, j'ai aucune énergie. On va se faire encore embarquer par la police. Il faut qu'on récupère notre dû. Ah, on l'a, $34. Ouah. Tant pis, et j'ai quand... Ah, ils m'ont retiré $3. Putain, ils nous ont volé $3 les flics, pendant qu'on était évanouis. Putain, déjà qu'on est en galère, ils osent. Salopard. Putain, $31, c'est le début de la richesse là. Pour l'instant, c'est le jeu de l'année, je comprends pas les notes. C'est vrai que le gameplay est varié. Le message est sympa. Point de compétence, c'est... Ah oui. Alors, augmente la santé. Augmente l'endurance. Ah, l'endurance, c'est pas mal quand même. Parce ouais, que parce que je suis souvent à court de... Point de compétence, 0. Ah, c'est vrai que t'as pas beaucoup d'énergie, mais t'as faim et un peu soif. Il te reste des choses? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, le hot dog.
Waouh, la vache. Là, c'est boosté à fond. Magnifique. De la fiente. À utiliser sur une graine plantée pour accélérer la croissance. On va pouvoir se faire un potager. En plus, c'est sympa de jouer à ce genre de jeu en live parce que ça peut vous faire un genre de tuto pour vous dans le chat. Vous le prenez comment? Ça vous dérange pas qu'il vous ait dit ça? Je parle au non-sub évidemment. Bien sûr! Putain, j'arrive pas à accéder. Ah voilà. Oh, il y a un cirque! L'Amazing Show! On pourrait gagner de l'argent là-dedans. Contre notre dignité. Oh là. Parle mieux. Et le clown, il est pas gentil avec moi. More professional, more not a mentally unstable clown with a hook or a hand! Idiots! My place has the most bang for the buck. My stuff is dynamite! Take that silly card of yours and go tell them that I won't go down quietly! Wait! Sorry, I'm a little bit short fused lately. J'ai même pas compris ce qu'il me demandait. Je te skip. Hein? Quoi? Non mais là c'est très grave, c'est très très grave. Ouvrez le cadeau avant la fin du minuteur. Ok 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 ok. Faut que tu trouves tous les meilleurs raccourcis. Dégagez hein. Oh. Oui t'as raison, consulte les cartes. Passe par la droite et prendre ensuite la main avenue. Encore à droite. Ouais sinon tu vas être coincé sans un cul de sac. Cul de sac. Cul de chat. Ok, tout droit, puis à gauche, tu longeras. Non, 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 pas maintenant. Ouais, ça aurait été plus. Ça changera rien, donc autant directement être sur la route. secondes. Alors que t'as pas d'endurance. Ah, dégagez. On va exploser. T'essaies de faire quoi? De prendre la vitesse en slalomant? Ouais. Tu perds juste du temps avant ça. Je vais avoir le temps, hein. Large. Ce qui t'a pas dit, c'est que ça explosait à partir de 30 secondes. Putain, ça s'accélère de ouf là. C'est bon. Proche, je suis allé super vite. On a raison. Oh, c'est littéralement un attentat quoi. Oh bah, je pense qu'on savait tous que c'était une bombe. Ouais. Oh, 4 étoiles. Oh putain. 4 étoiles alors que j'ai pas d'endurance. Et comment tu échappes à 4 étoiles? Faut une poubelle hein. Ouf. Je sais pas dans quoi je peux me cacher. Je sais pas dans quoi je peux me cacher. Oh là là là. Oh, ils se tasent entre eux. Bah. Oh, c'était bien non, là. Non, pas dans un cul-de-sac. C'est pas, c'est pas pour se cacher là. Il va comprendre quand il va tourner la vue là. 4 étoiles ça va mettre plus de temps. Mais non, le caddie nous poucave. Dégage caddie. Allons chercher des beignets. Je suis passé niveau 3. Point de compétence. Estomac d'acier. Ok. Ressources, mais il y a trop de trucs en fait de que prendre. C'est vrai que je fouille jamais les poubelles. Ah oui, alors qu'il y a plein de choses dans les poubelles. Tu serais surpris de savoir tout ce qu'on peut trouver dans une poubelle. Je pense qu'il faut que je prenne plus d'XP. Comme ça, je pourrais faire plus de. C'est logique. On va prendre plus d'XP. Oh. Eh bah tiens, parfait oh bah, ça. C'est pas de refus. Pour hein. Stocker. Et voilà. Bof. Ça pourrait être un chapeau. Bizarre, j'ai l'impression que non. On si, peut on pas l'utiliser comme ça. On met la tête dans le seau et le trou ça nous permet de voir. Ah oui, ça doit être fait pour ça hein, bien sûr. Bah y'a des poubelles là-bas.
Voilà, les mines d'or. Qu'est-ce qu'on a là? Rien. Du carton. Du carton. Ça peut être pratique. Pour dormir. Pour le rembourrage pour le lit. Oui. Une bouteille de propane. Une bouteille de propane. Oh, elle est vide. Ah, on pourra rien faire exploser. Une chaise cassée. On a déjà un panier à linge. De l'eau périmée. De l'eau. Hop là, je la bois. Franchement, l'eau ça se périme pas. De l'eau, c'est de l'eau. Un bidon, ça peut toujours être utile. Ah, il est percé. Ouais, elle est percée. On va trouver mieux. Allons faire chier les gens sur la baie. Eh, rajoute-lui de la sauce maison sur son hot dog. Vas-y, ah merde, c'est bien. Ah non, t'as pissé sur toi. Ah vite, faut le manger pendant qu'il est pas trop. Ah c'est bon, c'est la règle des 5 secondes. Si tu pisses sur ton truc, tu le manges en moins de 5 secondes, c'est bon. 2,50. Bah j'ai bien mangé au moins. Ah, qu'est-ce qu'on a au bout là? Oh, les gens font n'importe quoi avec leurs déchets. Oh, si je peux me permettre. Oh, c'est parfait ça. Bon, t'as pas faim, regarde de côté. Ouais. Qu'est-ce que tu regardes? Parfait! Oh là là, le festin! On se met bien! Oh, pas lui! Petite plume! Lui, c'est des glaces! Il veut pas nous en offrir une? Il peut pas mendier une glace? Attends, il a une mission, c'est quoi la mission? Lui là! C'est. Ah, c'est lui encore! C'est lui, je pense! What a wonderful automobile you have there. C'est un caddie. Ouais. I would love to see it. Merde, le chat s'est fermé. Mémoire insuffisante pour ouvrir cette page. Pff, wow, le chat va trop vite. Le chat va beaucoup trop vite, vous êtes des ouf. Il y a tellement de subs que ça bug. For your performance. Renverser suffisamment de passants. Oh bah là, vu l'heure où on est, y'a pas de problème. Hein. You heard the nice man. Alors, bon bah vas-y, hein. C'est un strike. Y'a un policier, hein. Attention. Ouais, je l'ai vu. Y'en a même un autre. Ah ouais. Ah les bâtards, allez. Ah oh. Bon bah vas-y, hein. Ah non. Quoi? Ah les bâtards, vraiment ça m'a annulé la mission là. Putain, on a perdu de l'argent de ouf. Ah, il fallait vraiment pas le faire. Non, tu ne peux pas voler les voitures, ce n'est pas GTA. Je sais, on dirait que c'est GTA 6, mais bon. Non, mais il cherche vraiment la merde. Comment ça, il appelle les flics? Comment ça? Il était littéralement en train de faire de la délation, là. Oh, une graine. Graine de tabac. Super. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va faire pousser notre propre tabac, on va les mettre dans une tubeuse et on vendra les clopes à la sortie du métro. Voilà, on va être riche très très vite là. Wouah! C'est une belle gare! C'est fou! Mais il est encore là, mais il me suit lui! On dirait une gare quand même. Ouais. Non, je vais vers la gare. On va vendre du tabac. La gare, c'est the place to be pour se faire un maximum de pognon. Non, pas coup de poing. Sorry. Non? Vous avez tous de la monnaie parce que vous allez dans le distributeur automatique pour avoir de l'argent. Qu'est-ce que je veux, à ton avis? C'est marqué sur le carton. Putain, les gens quand ils sont assis, ils veulent jamais donner d'argent. Ouais. C'est contre. Voilà. Dormir. Ah, mais je vais avoir plus faim. Ah, c'est réparateur, mais ouais, non. Ah, non. C'est pas rentable. T'as le droit d'aller là? Ça m'a tourné ma souris. C'est quoi ce truc là? Des champis flash. Oh mon dieu, ça va être de la drogue. Consommer. Consomme, tout de suite. J'en ai mangé un. Oh, et puis deux. J'en ai pris deux. Mais il va se passer quoi? Je sais pas. Il est 13h. On verra. Bon, Richard, j'ai pris deux champis, je suis prêt à faire une mission là. You may approach me, beggar. I'm miserable.
Fais en sorte que des passants se fassent renverser par des voitures. Comment on fait pour faire ça? C'est facile. Tu fais ça. En gros, tu fais ça. Non mais là, tu les après, tues. Tu fais ça. Et après, tu fais ça. Ça va en marcher, t'en as 1 sur 5. Oh non, mon dieu, mais c'est horrible comme jeu. Bah, dis donc, c'est le plus pratique, hein. Moi, je pensais à un truc genre, tu sais, siffler à de l'autre côté du trottoir pour qu'ils viennent. Bon, toi, ça aurait pris une demi-heure, alors que là, on peut y aller très vite. Oh, pardon. Ah, la vache, la violence. Quand même deux cadavres seuls, quoi. Fais pas le rigolo, je te surveille. Tu me surveilles pas beaucoup. Oh, mais y'a de la police partout. C'est quoi cette ville? Ouais, t'as 2 minutes, franchement, large. Putain, mais trois temps. Alors, oh, oh, pardon. Bon, bah voilà, c'est bon. Oh, un mec en costard là. Oh non, vous. Oh. Merde. Oh, c'est, merde, la police. Non. Non. Non, mais toi, tu vas t'attirer de gros ennuis si tu attaques la police avec des pigeons. Oh putain, j'espère qu'on va pas avoir une montée de champi flash maintenant parce qu'on va être dans la merde. Ah oui, ce serait pas le bon moment là. Et venez par là, vous. Il veut en découdre, lui. Viens par là, j'ai besoin de toi. Oh, j'ai vraiment peu de santé. Ouais. C'est le bon moment. Oh bah oh, tiens. Raté. Il l'a bien esquivé, le bâtard. Ah bah quoi? Ça marche pas. Ça devait être un mec que j'ai déjà renversé. Ah non! Non! Ma mission, je rate toutes mes missions! Tu n'es vraiment pas le meilleur clodo de cette ville. Putain, j'étais bon! Faut vraiment que je fasse attention. En même temps, j'avais 2 minutes, fallait que je me dépêche un peu. Hein. On va retourner au C, hein. Eh, hey, tu devrais bouffer un sandwich périmé dans le caddie parce que là. Ah, c'est vrai que je me sens pas bien. Bouffe. Je me sens pas bien, mais regarde. C'est moins nourrissant, mais c'est quand même pas dégueulasse du tout. Ouais, c'est bon ça. Hop là! Dans le gosier directement. Eh, hey, faut pas croire les dates de péremption sur les paquets. Hein. C'est largement bon après. Oh, ces bonnes graines de tabac là. Mais où est-ce que je peux planter tout ça? On n'a pas de potager encore, il faudrait trouver un endroit où on peut acheter un potager. C'est ça. Oh, j'oublie trop souvent de fouiller les poubelles. Ah, regardez, une tongue. Ah, mauvais état de la tongue, hein. C'est très mal. Il y a des gens morts. Il y a encore les corps. Bah oui, mais il le prend très mal. Tu l'as jeté une tongue dessus. Ah, il l'a reçu. Bah oui. Je sais pas ce que c'était. De la bouffe. Ah merde. C'était de la bouffe. Attendez, je la ramasse. Oh, une aubergine. Ça se dans le caddie, ça. Ouais. Looks yummy. Oh non, pas lui. Pas le clown. Un radiateur. Un radiateur en métal dans le bac de recyclage, puis attends. Pourquoi? Il est où le bac de recyclage? Ça, c'est quoi? Oh, j'en sais rien. Il est là. Ah, c'est de la ferraille. Donc en fait... Ça fait juste de l'argent ou... Il va se passer quoi. Donc là on a de la ferraille. Stocke tous les articles dans l'inventaire de Karl. Bah c'est fait. Ah. Du bois. Et du carton. Zone... Non, on peut crafter et tout. Je vais faire une table de craft. Wouah. Merde, ok. Table de construction. J'ai ce qu'il faut. On va se faire notre petite base. Pas comme ça construit, je pense. Kit de réparation. On peut faire des clopes. Cigarettes. Tu vois, on peut faire des clopes, c'est verrouillé, mais on pourrait carrément. Ah, on est pendant le tutoriel. Choisis le kit de réparation simple. Ok. Ok.
kit de réparation. Réparer. Réparer. Boom, easy. Time for me to blow. Remember that you can visit my place to buy rare material. Incroyable. I might even give you some in exchange for more gift deliveries. Tu peux en acheter des matériaux chez Monsieur Jello. Mais quel jeu de dingue. On peut avoir un petit peu boosté. Je sais pas, on va l'entraîner peut-être. On va voir. Ok. Alors il me sert à quoi mon pigeonnier? Ah oui, c'est là, donc ça se rend pour améliorer mon pigeon. Pour ça il me faut du bois, de la ferraille, du carton et des clous. Ah c'est pour ça qu'il faudrait que tu récupères des trucs que tu trouves. Et ce ouais. Que t'as considéré comme nul parfois. Et bah finalement. Ouais, est-ce que j'ai récupéré de la ferraille? J'en ai qu'un. Et est-ce que j'ai des trucs qui peuvent se recycler? Genre un panier à linge. Qu'est-ce que ça va me faire? Du plastique j'imagine, du panier à linge. Oh non. Cet article ne peut pas être traité ici. Ah ouais. Poil à frire. Bah, pour faire de la bonne cuisine. Oh désolé. On n'allait pas faire un bon steak dans la rue. On allait faire un bon truc. Oh un steak ouais, de mais rien. 3 de ferraille. Hop là. Et maintenant on peut faire 2 clous. Et nice. Voilà. Et maintenant qu'on a 2 clous, il nous manque que 4 de ferraille et 9 de bois. Et c'est bon, gagné. Bon là comment? Bah tout à l'heure on a recyclé son truc et ça nous a donné du bois mais Faut qu'on désosse une maison. Ça, ça donne juste du plastique. Ouais mais le... Ça, ça donne de la ferraille. Carton. Ça donne peut-être du bois hein, le carton. Carton je pense, il y a moyen ouais. Fais voir. Non. Allez continue comme ça et t'auras peut-être ton diplôme de Claude d'or. Les déchets recyclables peuvent être traités ici. Cet article ne peut être, ça traité, peut pas ici. Être traité ici. Oh merde. Qu'est-ce qui donnerait du bois dans le ce cas-là? Le bois. Oh, beau carton comme ça. Coup de pied dedans. Ah oui, voilà. Oui, d'accord. Ah, c'est du carton du coup. Ouais, mon. Oh, je vais le mettre dedans. Hein. Ah, oh là! C'est quoi ça? Alors ça? Attends. Attention voiture, oui. C'est incroyable. Peut pas être connard. Traité ici. Bah à mon avis, ah. Bah, je vais le laisser ici, tiens. Ça m'a l'air important. Il faut qu'on trouve une hache. Ouais, ouais, c'est possible, ouais. Une hache? Ouais, mais le clodo qui a une hache en vide. Emballage froissé. Merde. Oh, elle est même pas périmée du elle tout est, hein. Elle est super belle, mais qui a osé jeter une si belle poire? Elle est magnifique, elle a une belle couleur et tout, c'est... Le gaspillage alimentaire, c'est vraiment ce qui m'horripile le plus. Ah ouais? Et un bon jus un comme ça. Un super jus de fruits. On a failli gâcher une poire. Hein. Voilà. Putain, on se c'est met bien simple, là. Ouais. Les couvercles de poubelle pour faire de la ferraille. Oh les malins. Ouais. Ça se voit que vous aussi vous avez eu une vie dure. T'as vu comment ils ont pensé à des trucs auxquels on pense pas. Ils ont reconnu direct l'opportunité sur ces couvercles de poubelle. Ah ouais, mais ça alors c'est là, du, y a bois. Du bois. Ça c'est du bois ça, mais ah oh, ça va il le prend. Une brosse cassée. Pourquoi pas? Ah, il ride la car là. Pour briser ce cadenas, il faudrait tu qu'on fasse sauter ce cadenas. Oh, avec un pigeon amélioré, on aurait pu. C'est con ça. C'est dommage. Oh la merde. Ah, c'est plein de petites canettes et de trucs comme ça. Boîte de conserve. Je suis pas sûr que ça donne beaucoup de ferraille. Doit donner un. Oh là là. Il doit y avoir là une là mafia des clochards, faudrait qu'on grimpe les échelons. Le mec a de l'ambition quand même.
Bouteille de propane. Je vais être le roi. Ça donne pas de la ferraille. Ouais. Oh, sort ça, ça se vole sur les chantiers. On avait toute la ferraille à prendre là. Policier ici tout seul. Oh, un vieux pneu. Un pneu? Ça, c'est. Ça doit forcément avoir une utilité. Eh, des copains. Oh là, c'est pas des copains. C'est pas des copains du tout. Oh là. Putain, il. Parce que c'est un chevalier. Hein. Lui, il est trop chaud, hein, vraiment. Ya. Wouah, une belle esquive. Non. Ah, non. T'as plus beaucoup de vie. Putain, il a des combos lui. Non, tu vas prendre encore un coup et t'es foutu. N'y va pas. Ah mais là ils sont. Ah si j'avais mon inventaire j'aurais pu me soigner là. Oh. Ça se voit que ça hit pas beaucoup quand même. Allez. Non. Salopard. Mais que la police vienne nous aider. Vous voyez pas que je subis une agression? Oh le malin, il est très malin. Mais... Putain de merde. Bien placé là. Oh non. Voilà. Oh l'enfoiré. Oh non. Là ta vie c'est quasiment foutu. Hein. Là c'est critique ouais. Oh il envoie des cocktails Molotov sur la route, c'est un malade. Voilà, ça dégage. Et niveau 4 en plus de ça. Je suis passé niveau 4. Ouais, t'as raison. Ils m'ont pas lâché du stuff là. Putain, c'est mal payé hein. Ah mais je peux peut-être voler des trucs sur le sur leur camp. Allez. Oh non, on a déjà ça. On a petit cendrier. Cendrier. Ah, je peux chercher. Un mégot de cigarette. Bah super. Super. On sait jamais. T'as des culs de clope comme ça, moi j'adore. Est-ce que je peux pas reprendre un peu de vie là? Je vais manger un vilain hot dog. Eh hey, ça, ça a l'air d'être un énorme loot. Apprendre le plan. Oh ouais. On pourra crafter une petite table. Oh, notre chelou va être incroyable. Putain, c'est vraiment fou là, la progression, le sentiment de progression, c'est. Chaise cassée là. Très très fort, hein. Bravo Bob Simulator. Vraiment, ça valait le coup de leur pousser pendant 3 ans. Hein. Le jeu est extraordinaire. Voilà, et puis je vais remanger des champignons. Allez, vas-y, viens. Vu que les derniers ont rien fait, hop. Oh le bois. C'est du bois directement ? Juste du bois là. Oh non, y'a plus de place. Tu te fous de ma gueule. Elle boit la goutte. Non, putain. La fiente là. Les graines, c'est important. Consomme un truc genre poire ou un truc comme ça, hein, tant pis. On retrouvera de la bouffe. Prends la poire, ouais. Le jus de pomme ou l'aubergine. Faut que j'arrive à recycler certaines choses. Parce que. C'était quoi et que j'avais acheté? Le bois que t'as fait tomber. Il est là. Voilà. On va aller recycler quelque chose. Il est là. Carton, ça sert à rien. Qu'est-ce que t'en sais? T'as 5000 heures sur Bomb Simulator? C'est ça que tu vas me dire? Bah non, il a peut-être juste une expérience personnelle qui. Oui, c'est. C'est vrai, pardon. Tu sais, derrière les pseudos, il y a peut-être une vie. Hein. Un background. Une vie qu'on connaît pas. Alors. Ramène-toi là. Bah sois pas timide là. Et pourquoi il se cache? On va faire du business. Bah tu vas nous les faire une par une? Eh oui mais quand on aura de la ferraille ce sera très bien. Ah putain. Ouais faut pas être pressé hein. Ouais Arctic. Tu dois récupérer d'abord ce qu'il y a en bas. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on devrait craft là? Ah, n'oublie pas le pigeonnier. Je pense qu'on va peut-être améliorer le pigeonnier, ouais.
Fallait d'abord réparer le pigeonnier. Tu vas pas faire un bon paquet de clopes? Si, bien sûr que si. Du papier et du tabac. 3 de bois. Bon, la ferraille, on va avoir tout ce qu'il faut, mais... Eh, la porte, faut que tu la recycles, faut qu'on voit si ça donne. Ah ouais. Oh. Oh putain, le bois qui va sortir. Oh, ça sent bon. Oh, ça sent très très bon. Bingo, Chico. Combien? 5. Mama. Oh là là là. Il nous manque un de bois et deux de ferraille. Deux de ferraille, ça va être bon. On a bien notre truc en bois. Hein? Alors on a ça, mais c'est trop gros. Malheureusement. Encore. On a rien d'autre en bois. Je vais regarder, il y a peut-être... Ah, apparemment dans le menu c'est écrit si c'est recyclable ou non, est-ce que ça donne. Ah oui, ce serait logique. Ça suffit. Ferraille. Ferraille, oh, ça donne ouais. Full ferraille ça, putain. C'est beaucoup hein. Ferraille. Beaucoup de ferraille hein. Que de la foutue ferraille. Putain. Ah bon? On a gagné une bouteille de propane gratuite? Ah non. Non, mais j'ai fait prendre tout et ça en a sorti 3 là. Bon bah faut aller chercher du bois. Faut aller chercher du bois et... Un de bois. Ça devrait se trouver rapidement. Il est passé où mon... Ah il est là. Bon allez on se casse. Imagine directement là-dedans. Non, il n'y a pas de bois dans les poubelles. Cool stuff. Ah ouais, et par un burger contre, la vache, il est délicieux. Putain, il est magnifique. Mais qui a jeté un magnifique burger comme ça? T'as vu en plus le pain, il se permet d'être un vrai pain. Ouais, ouais, il est magnifique. C'est un pain boulanger là. Alors, porteur de rats. Augmente tes chances de trouver des articles intéressants dans les poubelles. J'aime bien. Vous avez bien fait de voter pour Clochard Simulator. Bravo, bon ouais. Choix. Vraiment, déjà que le choix était douteux, bon. Le gameplay l'est encore plus. Et hop là, c'est quoi ça? Tape la bobine de bois. Vous croyez où là? Putain. Putain de merde. Vous croyez où? Vous en fait, croyez où là? On devrait vous écouter, vous êtes très qualifié, c'est impressionnant. Vraiment hein. A chaque fois vous avez les bonnes astuces. Alors deux secondes, je vais juste aller chercher l'autre bobine avant d'oublier. Oh des chips avec. Non mais là. Oh il s'est pris oh, un accident là. Il est bourré hein. Oh juste un emballage. Ça aurait pu donner de l'aluminium. Ah peut-être oui. Alors. Oh bah là on peut carrément. Wow. Je pense que là. Pigeonnier Master Race. Ah oui regarde le pigeon. Oh le pigeon explosif. Là faut le tester sur une poubelle là. Il a l'air Il a l'air extraordinaire. Je vais aller là-bas là. Et après il y a une autre update. La vitesse des pigeons, ouais ouais mais bon. Pas non plus. Non ça va aller. Par contre les clopes. On va même fabriquer des clous hein, mais... Je veux des clopes. Les clopes, par contre les clopes. Ouais mais on a pas de papier. Papier c'est pas comment évident. On fait du papier hein. Feuille d'aluminium, il faut de l'aluminium. Tu vois l'aluminium. Attends, peut-être hein. T'as peut-être raison. Hop là. Je vais être clochard dans une autre vie. Voyons voir.
cet insecte ne peut pas être traité ici. Putain, super. Ça oh, le bon pain. Ah, c'est une belle tranche de pain. On trouve de tout, hein. Notamment des pneus. Mais les gens n'ont pas idée de jeter deux objets pareils. Hein. Un beau pneu comme ça. Boîte de conserve, boîte de conserve. Bon. Du bois par contre. Du bois, toujours du bois. Bah la bobine, tu prends pas le bois? Je l'ai pas pris. Bah, y'avait d'autres bobines. Ah ouais. Hein? Mais vous êtes des malades. J'ai... Non mais alors là, il sait pas c'est ce que c'est tonton, j'ai. Il veut te taper. Wow. Tu viens de tuer deux personnes. Avec un pigeon. Ça marche bien, hein. C'est horrible. Non, mais c'est des claques-doigts, ça se voit. C'est rien. Attends, mais je me dis depuis tout à l'heure, la musique, on en a vraiment pas besoin. Pas une poubelle avec un cadenas là. On voit, ça vaut le coup. Oh merci, waouh, étalon du cul pour tes 10 subs offerts. Waouh. Wouhou. Quel pseudo de goat. Waouh, trop marrant le goat. Merci. Merci pour les 10 subs. Pomme périmée, ça consomme. Non, ça consomme, j'ai dit. Brique de lait, de ça lait consomme. De lait sec. Ouais, je crois que c'est... On trouve de tout. C'est quoi, cadre de télévision? On va peut-être récupérer quelque chose. Ça m'a l'air d'être juste un déchet. Oh, on a trop de trucs. Ouais, on est plein. On est plein à craquer. Oh, l'ambiance est tout de suite plus morose, hein, sans la musique exceptionnelle. Ouais, bah ça, c'est du une vraie, voilà, c'est une vraie ambiance de Clodo, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est plus réaliste. C'est moins fun. Tu crois peut-être qu'ils ont du Kevin MacLeod dans les AirPods des clodos quand ils marchent dans la rue? Bah non, mon gars. C'est juste le bruit de la ville. C'est cette ambiance-là. Oh! Mais faut que tu vraiment sois arrêté. Regarde cette victime, il a même pas osé. Ah si. Mais. Il est vraiment nul par contre, hein. Connais pas ma botte secrète. Merde. Ouais, talon du cul qui réoffre 10 subs. Waouh. Merci beaucoup. Merci, talon du cul. Oh, il est sur le caddie. Tu comptes en faire quoi? Merde. Je vais l'emmener. On fait quoi? C'est mon ami, vous inquiétez pas. Le flic est juste derrière moi. Je vous dis que c'est mon ami. C'est une pourchasse, hein. Et que je l'emmène avec moi en vacances, voilà. Oh bordel. Tu peux pas fuir. Ouais, tu peux peut-être lui prélever des organes. Ouais d'accord, et après ça ose dire que je suis malsain sur certaines choses. Hein. Ah, moi j'ai rien dit. Eh, ça se prenait des feuilles. Where is he? Les jaunes. Ah non mais là tu viens de mettre un pain dans la gueule à un représentant de les forces de l'ordre. Il me cherche. Voilà. Ils ont pas mis un petit secret sur le... Putain, mais ils sont malins, hein. Ils vont pas sauter quand même. Moi, je suis un des glingos, donc je saute, mais eux... Ils font le tour, c'est bon. Aucune couille. Parfait. Ah, je suis d'humeur à faire une petite mission pour Richard, là. Vous êtes pas d'humeur à faire une petite mission pour Richard, vous? Fais en sorte que les passants se fassent renverser par des voitures. Ah mais ça je connais bien et d'ailleurs j'en ai un avec moi. Oh non, ce vilain poteau. Ça bloque la circulation. Ils vont pas renverser là, tu les jettes sur les voitures. Et si elles sont en mouvement, ça marchera mieux. Évidemment que ça marchera mieux, puisque là c'est pas renversé, il s'est jeté sur une voiture. C'est vrai que ça marche mieux.
pas beaucoup de flics là. C'est vraiment une honte de faire ça. Oh, bah oui, il l'a fait tout seul. C'est ça qu'il fallait faire depuis le début. Il y a un peu de flics par là-bas, j'aime pas trop. Une meuf qui a embarqué une barrière. Eh, hey, vous. Hop, c'est la vraiment... ramasse. Ah bah. Eh, hey, alors. Taxi. Oh putain, la violence. Quand on est pressé, y'a rien de mieux. Eh, hey, vous. Non, restez au sol. T'as plus de vie. Oh, t'as plus de vie, hein. Elle est invisible. C'est la merde de ouf. Quick, find a place to hide. Ouais, c'est celui-là, lui. Voilà, il a... C'est bon. On va manger un petit coup, un petit hot dog. Ouais, hé hey, et ce burger, alors? Il demande qu'à être croqué. Mmh. Oh, j'ai toute ma vie. Je m'étonne, il était délicieux. Juste. Ma mission est annulée, là. Ah, j'ai... Alors là, j'ai pissé de manière incontrôlable. J'ai même pas voulu. Ça s'est fait c'est tout seul. Ah, je l'avais gagné la mission, c'est bon. J'ai gagné, j'ai pas vu. Le gars qui... C'était toi. Le gars qui croit qu'il a une puce incontrôlable. Mais non, mais en fait... Ah comme je venais de... Tu vois, je venais juste de boire, donc je me suis dit, bah au bout d'un moment, c'est... Non, mais ça va pas l'ouvrir, là. Hein. Ouais, dis donc. Oh ouais. Putain, là, ouais, c'est juste deux étoiles, là. Trois étoiles, bon, faut vraiment arrêter. Police. Oh là, il arrive, lui. Ah, les trois étoiles sont validées. Et ici? Ils arrivent, faut partir. De l'autre côté, oui, y'a personne ici. It seems the police finally gave up. Oh, alors, ça fait des ricochets? Est-ce que c'est tu une... peux jouer avec tes... Tu peux faire des ricochets avec tes pigeons, genre contre les murs? Ah, quand même. Bah ouais, je viens de voir ça. Lavabo cassé, ça doit être... La céramique. Pardon. Bah il va être content, le caddie. Pouah. Pardon. Non, putain de merde, genre il m'a identifié là. Tiens, des... Hop là. Lose the chase. T'as déjà perdu, hein. Oh, il est en l'air. Non mais... Fait. Putain, on va faire exploser des flics. Mais ouais, mais après comme ça, ils ont plus de mal à me trouver. Regarde. Ah bah ils trouveront jamais, ils vont jamais tourner à droite. Hein. Oh là là là, ça va être 4 étoiles. Dégagez. Regarde, ça les a tous stoppés, ces cons là. Bah alors, bon, alors mais... mon vieux... Bah, qu'est-ce qui lui arrive, lui? Eh, moi aussi, je peux le faire. Oh, merde. T'aurais dû te cacher dans le métro? Oui, ça aurait été une bonne idée. Indétectable. Il arrive. Oh, une belle pomme. Il arrive. Croque-la. T'aurais dû la croquer, la belle pomme. Ouais, mais là... Il trouvera jamais. Arrête. Arrête de pisser partout. TG. It seems the police finally gave up. Ah. Ah. Woodbuck, ah. Regarde ça. Ah, c'est une poire. Oh, et pas que. Putain, mais et est pas magnifique. Que. Miam. Bon bah moi je sens qu'on a fait un bon petit tour de Bum Simulator. Voilà, c'était une bonne expérience. Bah, c'était pas mal, hein. Moi je trouve que c'était une bonne expérience. Je n'irai pas forcément plus loin, mais... Oh bah on a fait le tour de ce que proposait le jeu, hein. Disons que pas déçu d'avoir payé pas moins de 17 euros, hein, quand même, pour l'expérience. Ça, eh,
Ça les vaut, hein. Même. Pas obligatoire de faire ça sur les vendeurs de hot dog. Bon, bah. Et sur les flics, c'est nécessaire. Bon, allez, vas-y, 5 étoiles. Oh, c'est vraiment une honte. T'es mort. Là, je suis mort en gros. Haha. Quand même. Ok, je sauvegarde ma partie parce que je vais forcément y rejouer. En solo. Donc voilà. Voilà la journée. Ouais, ouais, pour finir le jeu, quoi. Pour faire. Moi, j'aimerais bien faire toutes les missions, notamment, quoi. Oh, y'a plus la bonne musique c'est tous là. Les succès. Ouais. Ah ouais, tous les succès, ouais, ouais. Très cool. Bon, c'était super. Très très cool en vrai. 67 minutes de jeu, ce qui était, bon, ma foi, pas mal. Hein. Oh, c'est, je dirais suffisant. Ouais. Pourquoi je te vois désinstaller le jeu là? Je suis encore sur ton écran. Ah non, je me suis trompé, je voulais faire l'autre jeu à côté. Ah, tu voulais l'ajouter au favori? Ouais. Tu t'es trompé, c'est ça.